flex. Yahweh, I know you love me more. You even die for me though. Yo, this ain't just love, yeah. This is more than love. This is love itself. G-S-U-S, Jesus, yes. That's why I trust you, for you can never leave me hanging, broken out into pieces. Now I believe you a good friend, yeah. So please hold my hand and pull me back. Don't let me fall into darkness again. Take my hand and tell me you care. I wanna be set free from my past sins. So I'm on my knees asking for you to hold my hand and don't let go. Please, you the only on me that I need. Jesus, my everything, everything, everything. I'm on my knees asking for you to hold my hand and don't let go. Hold my hand, don't let me go. Don't let me go. Du ciel sur la terre, de la croix à la tombe, tu es venu pour me sauver, payer le prix du rachat, dans ma détresse, dans mes faiblesses, quand vient le stress, peu importe la tempête. Importe les épreuves, tu calmeras la part.
Yeah.
reconnaissance à la maïs qui lui a fait ceci. Dis Seigneur, je ne vais pas m'arrêter là en 2017. Je vais aller au-delà de lui. C'est toi qui nous a parlé aujourd'hui. C'est toi qui m'as parlé des réobots. Est-ce que tu as voyagé la vie en bas? Seigneur, fais une alliance avec Dieu. Je veux qu'une femme fasse une alliance. Ça, mais que ça ne t'arrête pas donc. Est-ce que tu as voyagé? Fais une alliance ce matin. Dis Jésus, tu m'as parlé des réobots. Je ne veux pas que ça s'arrête comme ça. Je veux aller au-delà. Fais une alliance ce matin. Si Anna a réussi sa mère, c'est à cause d'une alliance. Si Dieu est sage, fais une alliance avec le Seigneur. Fais alliance avec Dieu sur la terre pour un problème qui te dérange. Tu peux faire un vœu, tu peux faire un vœu. Dis Seigneur, si tu me donnes sa mère, je vais le sacrifier à toi. Si tu me donnes ceci. Soit avec ma famille, soit avec moi. Alors je dis, je dis,
nous chantons l'air de la victoire, tu vas seulement commencer à proclamer la victoire sur cette année, sur ce que tu vas entreprendre, sur ce que le combat, les obstacles que tu auras affrontés, dans la maladie, dans la souffrance, tu vas seulement proclamer la victoire. L'air de la victoire a sonné. Commence à proclamer cette victoire. Alléluia. Commence à proclamer cette victoire. Sur tous les combats que tu vas rencontrer. Sur tous les combats que tu vas rencontrer. Proclame la victoire. Le nom de la victoire est comme la vérité. Assemblée de la mort de Jésus. De la vérité, de ce que dans mon cœur, que je suis salué. De la victoire et de la vérité, à ce que dans mon cœur, que je suis salué. De la victoire et de la vérité, à ce que dans mon cœur, que je suis salué. Bye.
Thank you.
venant de ta présence, ce que les Philistins, les Égyptiens ont prévu, que cela soit annulé sans effet. En sortant d'ici, ou tout au long de cette année, je dis non aux incidents, je dis non aux accidents, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout piège tendu par les ennemis physiques ou spirituels, que ces pièges soient anéantis au nom de Jésus. Que ceux qui ont creusé des trous tombent eux-mêmes dans leur propre trou. Que ceux qui ont mis des pièges qui soient eux-mêmes pris dans leur propre piège, au nom de Jésus. Que ton chemin soit planifié par le sang de Jésus. Non aux empoisonnements. Que la main de Dieu te couvre et te protège. Que cette année 2017 soit une année de victoire pour toi. Amen. Une année de rebond où tu verras l'élargissement. Où le Seigneur va t'élargir, où Dieu va t'étonner. Où Dieu va étonner cette église. Où Dieu va étonner notre communauté. Par des signes, des prodiges, des miracles. Par sa vie dans cette église. Par la vie de tout en chacun. Saint-Esprit, nous te recommandons. Je te recommande cette année 2017. Je te recommande chaque frère, chaque soeur qui est venu ici. Qu'il vive réellement dans sa vie. Pourquoi les autres ne sont pas venus? Il n'y a que cette soeur qui est venue. Il n'y a que ce frère qui est venu. C'est que tu as voulu que sa vie soit réellement en 2017. Que Dieu te donne en vivant les réellement l'élargissement dans tous les domaines de ta vie. Que cette église vive réellement cette année. Que notre communauté vive réellement. Soyez bénis et prospérés en tous égards. Que la faveur de Dieu et la faveur des hommes soient ton partage en 2017. Que tu vois tes ennemis tomber à gauche et à droite, que toi tu les sois présentant. Que tu arrives aussi le 31 décembre 2017 et que tu entres aussi en 2018 pour arriver à la victoire en vivant la vérité. Que la vie de Jésus soit ta vie, que la vie de Jésus soit ton partage. Soyez bénis, que le sang de Jésus protège cette communauté et ta propre vie. Je te souhaite une bonne année 2017.